Salut à tous, bienvenue le sens des lettres.com. Je vous propose ce matin, mardi 10h, et puis après ça sera disponible en replay bien évidemment, une partie club joker. Je rappelle le principe de la partie joker, on tire un joker à chaque coup et on pose sur la grille la vraie lettre que le joker remplace, si bien qu'on conserve le joker pour les coups suivants. Jusqu'à ce que la lettre en question ne soit plus disponible dans le reliquat, auquel cas on laisse le joker sur la grille, on prend le suivant, jusqu'à ce qu'il soit épuisé de la même manière. Traditionnel décodage à l'issue de la partie. Et voilà, il n'y a toujours pas de classement en ce moment, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Un peu de patience. C'est une partie en 3 minutes vocabulaire expert, c'est-à-dire que tous les mots peuvent sortir. Et tirage sélectionné. En fait, je tire la partie à l'ordinateur. Et puis si pendant quelques coups, ça n'avance pas, on joue que des tout petits mots, etc., etc. Ou si par exemple, on consomme les jokers très vite, je reviens en arrière pour que la partie soit quand même assez agréable à jouer. Voilà, j'en ai dit suffisamment et on va démarrer. Alors, vous n'avez aucune lettre devant vous. Si ce n'est votre premier joker, ajoutez Norvège N, Égypte E deux fois, Luxembourg L, Tunisie T, Hongrie H. Vous jouez avec Joker, Norvège, Égypte deux fois, Luxembourg, Tunisie et Hongrie. 3 minutes.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 76 points. Horizontalement, en H2, le joker est remplacé par un W de Wallonie. Venelt, W donc, un vrai W. E-H-N-E-L-T. T sur la case centrale. Venelt, H2, 76 points. Il vous reste le premier joker. Voici Tunisie T, Algérie. Océanie O, Portugal P, Suisse S, Hongrie H. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Algérie, Océanie, Portugal, Suisse, Hongrie. Renaud. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé.
84 points. Verticalement en 3B, vous ferez attention à la solution retenue. Le joker est remplacé par un C de Canada. Sur le premier E de Venelt, nous jouons ta poche. T, A, P, O. Le C qui remplace le joker. H, E de Venelt, le premier. Et S. Ta poche, T, A, P, O, C, H, E, S, 3B. Ça fait 84 points. Il vous reste toujours votre premier joker. Et voici six autres lettres. Maroc, M. France, F. Uruguay, U. Italie, I. Égypte, E. France, F. C'est le deuxième. Vous jouez avec joker, Maroc, France deux fois, Uruguay, Italie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 65 points, horizontalement en C2.
Le Joker est remplacé par un X de Xénophon. Sur le A de ta poche, nous jouons mafieux. M, A de ta poche, F, F, I, E, U. Et le vrai X qui vient remplacer le Joker. Mafieux, C de 65 points. Vous avez donc toujours votre premier joker. Ajoutez Algérie A, Tunisie T, Maroc M, Italie I, Luxembourg L, Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Algérie deux fois, Tunisie, Maroc, Italie, Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le Joker sera remplacé par un S de Suisse verticalement, pardon, pour 98 points, en double appui verticalement en 5C. Sur le deuxième F de Mafieux et le N de Venelt, nous descendons Flamina. F, L, A, M, I, N de Venelt, A, T, S. Donc un vrai S qui remplace le Joker. Flamina, 5C, ça fait 98 points.
Il vous reste le joker, le premier. Ajoutez Venezuela, V. Norvège, N. Algérie, A. Égypte, E. Uruguay, U. Deux fois. Vous jouez avec Joker, Venezuela, Norvège, Algérie, Égypte, Uruguay deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Trente-trois points. Attention à la solution retenue. Le joker de nouveau sera remplacé par un S de Suisse verticalement en 8A. Sur le U de mafieux, nous jouons sauve. S, donc qui remplace le joker. A, U, V, E. Sauve, 8A. Ça fait 33 points. Il vous reste le premier joker, Norvège et Uruguay deux fois. On ajoute Algérie A, Suisse S. Et Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Norvège, Uruguay deux fois, Algérie, Suisse et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 78 points. Vous ferez très attention à la place verticalement en 9F, de façon à mettre un S au bout de Venelt. Et en remplaçant le joker par un Q de Québec, nous jouons Ensuka. E-N-S-U. Le Q qui remplace le joker, U-A. En Suka, c'est vertical en 9F et ça fait 78 points. Il ne vous reste que le joker, le premier toujours. Prenez six lettres qui sont Grèce G, Italie I, Tunisie T, Norvège N, Italie I c'est le deuxième et Canada C. Vous jouez avec joker, Grèce, Italie deux fois, Tunisie, Norvège et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
coup est terminé. points. Horizontalement en M7, en mettant un I au bout de Ensuka et en utilisant un E d'Égypte pour remplacer le Joker, nous jouons Seni. C'est E qui remplace le Joker, I qui vient au bout de Ensuka pour faire Ensuke à I, G, N, I, T. Seni. M7, ça fait 98 points. Pardon, 92 points. Et faites très attention à la place, nous jouons en M7. Toujours le premier joker en main. Ajoutez Zambie Z. Égypte E. Norvège N. Jordanie J. Océanie O. Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Zambie, Égypte deux fois, Norvège, Jordanie et Océanie. Oh non. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup est de 118 points. Le Joker est remplacé par un L
de Luxembourg, verticalement en 12 H sur le I de Cény, nous posons Enjolier, E-N-J-O, L qui remplace le joker, le I de Cény, E-Z, Enjolier 12 H. Ça fait 118 points. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit souci technique avec l'affichage de la partie sur le côté gauche, là, dans le cadre bleu. C'est rectifié. Toutes mes excuses. Donc, il vous reste le premier joker. Et voici Océanie O. Suisse S. Algérie A. Océanie O, c'est le deuxième. Luxembourg L. Et Grèce G. Vous jouez avec Joker, Océanie deux fois, Suisse, Algérie, Luxembourg et Grèce. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le joker va rester sur la grille cette fois-ci.
un maximum à 74 points. Horizontalement en N2, donc faites attention à la place du joker qui est un G de graisse, nous posons Googla G O O. Le joker qui remplace le G. De graisse, L, A, S. Verticalement, ça forme ça et E, E, S avec les deux premières lettres de CENI. Googla, N2, ça fait 74 points. Du coup, vous prenez votre deuxième joker. Et 6 lettres, que voici, Venezuela, V, Norvège, N, Roumanie, R, Uruguay, U, Roumanie, R, deuxième, Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Venezuela, Norvège, Roumanie deux fois, Uruguay et Égypte. Ono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. quatre-vingt-trois points horizontalement en A8. En partant du S de sauve et en remplaçant le joker par un I d'Italie, vous posez survenir S U R V E
N, I qui remplace le Joker et R. Survenir à 8, 83 points. Il vous reste toujours le deuxième Joker. On prend également Italie I, Uruguay U, Algérie A, Maroc M, Italie I, c'est le deuxième, et Roumanie R. Vous jouez avec Joker, Italie deux fois, Uruguay, Algérie, Maroc et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. points. Faites extrêmement attention à la place du mot. Horizontalement, en D8, en partant du V de sauve, en utilisant le joker qui va rester sur la grille, du coup, comme un V de Venezuela, vivarium, V de sauve, I qui fait XI avec le X de mafieux, le joker qui remplace un V de Venezuela, A-R-I-U-M. Donc faites très attention, c'est horizontalement en D8 que nous jouons Vivarium pour 87 points.
Il n'y a plus de joker, alors la partie se poursuit normalement. Voilà. Donc vous n'avez plus de lettres après ce Scrabble. Voici Tunisie T. Norvège N. Luxembourg L. Algérie A. Égypte E. Uruguay U. Et Yougoslavie Y. Vous jouez avec Tunisie, Norvège, Luxembourg, Algérie, Égypte, Uruguay et Yougoslavie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Cinquante et un points horizontalement en O8. Faites attention à la solution retenue pour terminer sur le Z de Enjolier et pour former Est, EST, vous jouez Tuné. T-U-N-E-Z. Tuné O8. Ça fait 51 points. Trois lettres reliquats, Algérie, Luxembourg, Yougoslavie. Ajoutez Égypte E, Algérie A, Belgique B, Égypte E. Vous jouez avec Algérie deux fois, Luxembourg, Yougoslavie, Égypte deux fois et Belgique. Chrono.
vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Quarante-huit points. Horizontalement en H11 sur le premier E de Enjolier, nous jouons Yèble, Y, E de Enjolier, B, L, E. Yèble, H11, 48 points. Un reliquat de trois lettres, Algérie deux fois et Égypte. Ajoutez Portugal P, Roumanie R, Danemark D et Kenya K, Kenya. Vous jouez avec Algérie deux fois, Égypte, Portugal, Roumanie, Danemark et Kenya. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 37 points. Horizontalement en D1, en double appui sur le P de ta poche, le L de Flamina et en collante sous mafieux,
papal. P, A, P de ta poche, A et L de Flamina. Verticalement, cela forme Ma, M-A et Fa, F-A, avec les lettres de mafieux. Papal, D1, 37 points. Il vous reste un reliquat de 4 lettres, Danemark, Égypte, Kenya, Roumanie. Ajoutez Océanie, O. Tunisie, T. Belgique, B. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Kenya, Roumanie, Océanie, Tunisie et Belgique. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Cinquante points, verticalement en 4L. Attention à la place, c'est en appui sur le deuxième E de Google. Book, B, O, le deuxième O de Google est K. Book, 4L, ça fait 50 points. Un reliquat de 4 lettres, Danemark, Égypte, Roumanie, Tunisie. Ajoutez Égypte E deux fois.
et Roumanie Air, c'est le deuxième. Vous jouez avec Danemark, Égypte 3 fois, Roumanie 2 fois et Tunisie. Renaud. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 60 points, verticalement en 15G sur le E disponible de Yebl. Nous jouons déterrer D, E de Yebl, T, E, 2R, 2E. Déterrer 15G, ça fait 60 points. Il ne vous reste aucune lettre au reliquat et vous avez peut-être commencé à prendre les 7 qui restent dans le sac, à savoir Égypte E, Danemark D, Suisse S, Roumanie R, Océanie O, Italie I. Et Danemark D, c'est le deuxième. Vous jouez avec Égypte, Danemark 2 fois, Suisse, Roumanie, Océanie et Italie. Chrono.
vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Trente-six points, attention à la solution retenue horizontalement en O14 pour mettre un S au bout. De déterré, nous posons E, E, S. Nous avons bien joué E, E, S. En O14 pour 36 points. Il vous reste 5 lettres. Danemark, 2 fois Italie, Océanie, Roumanie. C'est un tirage valide. Vous avez 3 minutes avec Danemark, 2 fois Italie, Océanie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Vingt-cinq points verticalement en 11 cas. On appuie sur le N de Cénis, le E de Thuné et à gauche de Enjolier. Nous jouons dinde. D, I, N, D, E. Horizontalement, cela forme do, il et de avec les lettres déjà en place. Dinde, 11 cas, 25 points. Et oui, c'est pas terminé, il reste deux lettres, Océanie, Roumanie.
une voyelle et une consonne. Donc le tirage est valide et vous avez 3 minutes chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un dernier coup donc à 14 points, horizontalement en G3 en partant du H de ta poche. War, H, O, I de Flamina et R verticalement, c'est la forme O, O, H et Ré, R, E avec le deux lettres de Venelt. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Elle compte un total de 19 coups et son top cumulé est de 1209 points. Dans quelques secondes, je vais vous proposer le décodage de cette partie, les appuis, les sous-tops, les isotopes, les définitions, à commencer par le premier coup, qui n'était pas facile, c'était la seule possibilité de marquer 76 points, c'est-à-dire de doubler le H. Il y avait d'autres scrabbles possibles, mais le H était au milieu du mot, donc impossible de le placer sur la case bleue. Allez, ça va décoder tout de suite là. Allez, c'est parti pour décoder cette partie. Il faut que j'arrête de dire ça, c'est parti pour cette partie, c'est répétitif. Donc en premier coup, il y avait un seul, ce que je disais tout à l'heure, une seule possibilité de doubler le H et donc de marquer 76 points, c'était Venelt.
qui désigne en physique une électrode qui règle un flux d'électrons. N'en demandez pas davantage. Le sous-top, c'était donc, il y avait deux possibilités. On avait lèche, du verbe lécher, à 70. De même que l'été 1. Dans l'Antiquité, c'était relatif au Léthé, fleuve des enfers. Au niveau des appuis, le tirage aurait permis de scrabler si on n'avait pas été au premier coup sur pas mal de lettres pour former 19 mots différents. Au hasard, petite sélection, enfin non, pas au hasard, petite sélection sur un A, éléphant, antélie, A-N-T-H-E-L-I-E, éthylène sur un Y ou un de nouveau E, mentholé, mentile, M-E-N-T-H-Y-L-E, téléthon, T-E-L-E-T-H-O-N, etc., etc. Au coup suivant, donc au premier on a joué Venelt, coup suivant, nous avons joué Tapoché. Attendez, petit problème. Voilà. On a joué tapoché, puisque c'est un verbe. Bon, j'ai dû prononcer tapoche, mais c'est un verbe. Hein. Le verbe tapocher, frapper au Québec depuis l'ODS2. Le mot est valide. Même endroit, on pouvait jouer patoche. Alors là, c'est pas un verbe. Hein. C'est outre. Outre le diminutif de Patrick ou de Patricia, c'est une grosse main. Avoir des patoches, c'est avoir des grosses mains. Et potache, 84 points, même en droit. Donc les trois tops étaient, les trois isotopes étaient à cet endroit-là. En Scrabble sec, il y avait deux possibilités, aftose et pachto. Pachto, c'est une langue parlée en Afghanistan, et une aftose, j'imagine que c'est une infection caractérisée par les aftes, c'est ça. Voilà, ensuite, Ephora, Chopat, il y a plein de possibilités de Scrabble avec ce tirage, hein, en faisant rien que CH, Pochat. Potache, c'était pas trop compliqué. Pétocha, le verbe pétocher. Naftol, chopat, féton. C'est une calèche, hein, me semble-t-il. Voilà, petite calèche à quatre roues. Et c'est aussi un palmipède. Phaéton. Voilà, alors en termes d'appui, je pense qu'il y a trop de choses pour faire une liste raisonnable. Bon, il y a une quinzaine de mots en 8 lettres, et puis on les a presque tous vus. Hein. Psychota sur un Y. C'est un tirage sympa. Je vais me le noter. Coup suivant. On a joué mafieux. Mafieux, il prend un ou deux F. Quelquefois, ils prennent un ou deux ans de prison, mais c'est rare. Pardon, c'est la blague. Ça faisait 65. Alors, c'était un Scrabble unique. Toujours difficile, les Scrabble uniques. Bon, celui-là, il n'est pas non plus très facile à trouver avec le X Joker en fin de mot. Sous top, 33 points avec Fief, le F qui double et le S Joker au bout de Venelt. Même principe avec Fuim, du verbe fuir, pour le même score, 33. Un petit point de moins avec Suifé, 32. 31 points avec Fouille en collante là-haut. Meuf au pluriel en 9D, 31. Voilà, il y a plein de solutions qui mettent un S à Venelt. Et qui rapporte au moins une trentaine de points.
au niveau des appuis. Eh bien, mafieux, voilà, et sur un S, suffim, du verbe suffire. Les deux seuls mots de 8 lettres possibles avec ce tirage. Au coup suivant, nous avons joué Flamina. Alors, Flamina, quand on le voit en 8 lettres AT, on a l'impression que c'est un verbe, d'autant plus qu'il existe le mot flamine. Mais non, pas du tout. Le Flamina, c'est un nom masculin, un nom commun, dans l'Antiquité romaine, désignait la dignité de Flamine. Le Flamine, c'est un prêtre dans cette même Antiquité romaine, c'est logique. Ça faisait 98 points, donc un double appui quadruple. Pas facile à trouver du tout, faut connaître aussi. Et sous top assez éloigné, donc ça c'est un coup, typiquement un coup difficile et sélectif. Hein. Sous top assez éloigné à 20 points avec Slamet qui met un S joker au bout de Venelt. Clampé, Clamsé 66, Colmaté 66 également. Manilla du verbe manier. Maculé 64. Voilà, parmi les Scrabbles, on va dire, trouvables, Calamité, Emaya, Lamenté, voilà, il n'y a pas beaucoup de gros scores. Hein. On est allumé, on est à 61. C'est un coup compliqué, ouais, j'avoue. Le hasard en a décidé ainsi, le coup est ardu. Donc, on a joué Flamina. Coup suivant. Alors là, il y avait pléthore de solutions à 33 points. Nous, on avait retenu sauve parce que, eh bien, on peut faire sauver. C'est un verbe conjugué, donc sauver er, s, z et e pour jouer horizontalement. Et puis le s joker qui permet un appui sur en haut. Ça fait déjà deux belles raisons de choisir ce. Cette solution advenue était jolie en collante, mais ça pas aussi ouvrant. Là, ça ferme le triple en 8A, là, plus ou moins. Pas beaucoup de à vue, pas grand chose. Ovule, voilà. Ou uvula. Il n'y a pas grand chose de jouable à cet endroit-là. Alors, donc on a joué sauve, ça faisait 33, et puis en sous-top en cuva. 31, Naevus 31 également, niveau 38 en dessous qui fait XI. Voilà, il y a plein de solutions. Et surtout en 8A, on a vraiment une place en or, là, si j'ose dire. Le V, on le fait doubler. On trouve des mots qui triplent. Hein. On peut trouver fauve, mauve, neuve, sauve, et tu vas. Et on a joué sauve. Voilà. Alors, le coup d'après. On a joué ensuqué, abrutir ou fatigué, un terme familier. Je suis complètement ensuqué, c'est... Ah, d'ailleurs, c'est un petit peu mon cas, là, mais, mais ça va aller. Ça faisait 78. En F8, donc pour faire sauver et E, donc le même ensuqué faisait que 69, tout comme Enuka. Alors le verbe énuquer, c'est le verbe s'énuquer en fait, hein, avec le S personnel préfixe, le S apostrophe. Et c'est un terme suisse qui signifie se casser la nuque. S'énuquer, c'est se casser la nuque. Ça faisait 69, aucune, féminin pluriel 63 en I7 et 60 en I8. Ensuite, on a d'autres places pour Ensuka et Nuka. Et si on ne scrabble pas, le maximum, ce sera 29 points avec Nausée et E qui met Venelt au pluriel. Coup suivant, conjugaison assez difficile du verbe cindre. Et même en sous-top, on a un autre verbe en indre qui est craindre, donc craigni. Donc là, on a joué saigni. Le I au bout de ensuqué et le C qui double, 92 points.
Même ligne, mais formant Ensuka AT, ça fait 88. Et formant Ensuke, mais ne doublant pas, ça fait 78. Voilà, quand on a, si vraiment on trouve ces nids, on optimise la place en cherchant à poser les lettres les plus chères sur les cases bleues. Donc Créni faisait 70, et ensuite Cligné, dernier Scrabble possible sur ce tirage, 65 points, sans Scrabler à la vôtre en 8K Chin, Joker H, 36 points. Et pour ce qui est des appuis, eh bien donc sur un E ou A saigné du verbe ceindre à l'imparfait, chigné, imparfait toujours, cinglé, crény, on l'a vu, grincé, cognitif sur un F ou sur un O, voilà, c'est tout. Cognitif, c'est assez joli. Le coup d'après, ah, le J, le Z, on pense à jaise, hein, et puis toutes les conjugaisons. Donc le top, c'était enjôlier avec le Z qui double, le mot qui double, ça fait un score énorme, 118. Un très très joli sous-top en double appui avec séjourner. Et puis le verbe éjointer. Pas très joli dans sa signification. Amputer un oiseau d'une partie de ses ailes. Ça faisait 81. Donc c'était les trois Scrabbles possibles sur ce tirage. Éjointé, enjôlier et séjourné en double appui. Et sans Scrabbler, on montait quand même à 64, pardon, en doublant le Z. Genier 72i, joncier. Jetier 62, Jouyer 62, et ensuite sans le J, on avait Zen qui faisait Ensuke AIS, le Z qui triple, ça fait 53 points. Donc en geôlier, nous avons joué. Au coup suivant, alors attendez, pardon, les appuis. Joncerai sur un R ou un C, et c'est tout par rapport à ce que je vous ai déjà dit. Le verbe joncer. Garnir de jonc ou canner, mettre des cannes. Enfin, mettre des cannes. C'est plutôt mettre de la canne de rotin en particulier pour le technique de tissage qu'on appelle le cannage pour les chaises, etc. Donc. Le coup d'après, les deux os, le joker, le G, là c'est le coup stressant par excellence. Le top, c'est googla, du verbe googler. Attendez, je vous le remets, voilà. Synonyme de googliser. Ça faisait 74, du coup, donc le G Joker à l'une ou l'autre des deux places, ça faisait pareil. En 13B, 68. En 11B, 66. Et puis sinon, on ne scrablait plus et on marquait 45 points avec gazole, gazon, gazou, glosé et guzla. 42 avec loger. 39 avec Ozona, donc le Z en bas accessible auprès des cases triples, hein, des cases mots triples, est une place intéressante qu'on va pouvoir peut-être investiguer prochainement. Alors, au niveau des appuis, il y a une dizaine, 10 solutions, même tout est très exactement. Donc, à part googler AIS qui est logique avec le top qu'on a eu, et puis googliza, synonyme. On a Bogolan, Bogolan au pluriel, donc avec un S, c'est une teinture en Afrique. Lombago, Lombagos, gondola, du verbe gondoler, solidago, gloriosa, isogonal, togolais, et Galopon,
Voilà, joli tirage avec que des avec deux os, un G, un joker. En général, ça stresse. Le coup d'après, on pense éventuellement à nervure, nervurer, c'est un verbe. Et la place la plus intéressante, c'est le triple là-haut, survenir, voilà, 83 points. Nervure, nervura ou nervure faisait 72 ou 71 en 11C. Et ensuite, on ne scrablait plus. Tuné qui fait est, ST, ça sera le top au coup suivant. La place est trop intéressante pour pas être prise à un moment donné. 45 points. Et puis ensuite, azur, zébu, zend, zen, 0, etc., etc. pour 39 ou 36 points. Les appuis, toutes les conjugaisons de nervurer, déjà. Incurvé sur un C ou un I. Rouverin, Rouverin, rouvre, ENT, anagramme de turnover. Et c'est tout. Voilà. Le coup d'après. Un peu piégeux ce coup parce qu'on a beaucoup de voyelles, on a de quoi faire des terminaisons verbales et en fait ça scrable pas. Enfin, ça scrable pas avec les terminaisons verbales justement. Seule possibilité de scrable, c'est vivarium qui passe à deux endroits différents, verticalement 11A pour 75 points et horizontalement en D9 qui forme Xi, 87 points. Sous-top Zamu. Zamu, pardon. Veilleur de nuit en Afrique centrale. Et ça faisait 42. Et puis même, toujours ce Z là, vers le triple. Azeri, Azura, Azuré, Azur. Ça fait 39 tout ça. En termes d'appui. Voilà, il y a voilà, plein de conjugaisons. En I-R-A-I, vous voyez, il y en a plein. Amuiré, mugiré, munirer, mûrirer, ruminer. Et puis en conjugaison, brumiser, maudirer. Et sans conjuguer, ou alors des conjugaisons plus complexes. Imbrica sur un Q ou un B. Manipuri, style de danse indienne. Tiramisu, gâteau italien. Et voilà. Après, c'est que des conjugaisons. Donc, c'est un tirage un peu frustrant sur ce coup, puisqu'il n'y a aucune conjugaison qui passe. Donc, on reste un peu sur sa fin. Surtout avec le tiramisu, qui n'est pas une conjugaison, mais on le voit, on regrette qu'il passe pas. Alors, ensuite. Ce joli tirage qui ne donne rien en 7 lettres ni en 8 lettres. Alors nous, on a joué Tuné qui fait Est, EST. Même score avec Talé. Alors Tuné, c'est le verbe hein, ici. Personnaliser un véhicule, faire du tuning, vous savez. Et sinon, Tuner, TUNER, c'est aussi un nom masculin, récepteur radio d'une chaîne haute fidélité. Haute fidélité qui s'écrit en un seul mot depuis le DS8, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2020. En sous-top, 50 points avec yen, la monnaie japonaise. Ça fait des petits mots verticaux pour marquer des points. Et à Y, le 20, 45, tout comme Mayen en 15 des états sur le triple en bas. 39, Zeta, c'est une lettre grecque. C'est la dernière de l'alphabet. C'est peut-être le dernier variant du Covid qu'on va avoir. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là quand même. Ça serait un peu dur. Et donc, je disais en termes d'appui, rien en 7, rien en 6, en 8, pardon, et en 9 lettres. On a deux possibilités sur AG, langueia, du verbe langueiller. Et garnir des tuyaux d'orgue de languettes métalliques et gouléant
terme familier, adjectif, gouléant, gouléante, qui désigne un vin frais et léger. Donc voilà, coup suivant. Alors, on a joué Ieble, qui s'écrit également H-I-E, accent grave, B-L-E, petit sureau à B noir. B noir, c'est en deux mots. Hein. Parce qu'en un seul mot, je vois pas trop ce que ça pourrait être, un sureau à B noir. 48 pour le top, et A-Y, 45 comme au coup précédent, Mi, M-Y-E, le mollusque, 33. Bale, B-A-Y-L-E, 11C, 32, ou 7E, 31. En termes d'appui, vous aviez peut-être trouvé et regretté qu'il ne passe pas le 7 lettres balayé. Eh bien, un seul 8 lettres possible avec un S, balayé et ES. Ensuite, on passe aux 9 lettres avec balayeuse, balayeré, déblayera, déblayage. Coup suivant. Papal, adjectif hein, relatif au pape, c'est pas PayPal qui aurait perdu son Y. Hein. Ça fait 37. Pour en sous-top, on a kelp, algue brune géante depuis l'ODS 7. Qui faisait 35, le kaki triple, un classique. Calais, 33, lec, 32, poker, en mot compte double, 32 également. Et puis capot, pika, 30 points. En termes d'appui, rien, ni en 7, ni en 8, ni en 9. Il y a une possibilité en 10 lettres, je vous la donne parce que c'est pas... Sur un I, un N... Et un P séparé, kidnappera. Et ne retenez pas ça, c'est vraiment pour le fun, on va dire. Il y a peu de chance que la prochaine fois que vous rencontriez le tirage 2-A-D-E-K-P-R, vous tombiez sur une configuration de grille vous permettant de placer kidnappera. Mais on sait jamais. Alors, voilà, coup suivant, on a joué Book. C'est soit un pressbook, soit un bookmaker. Ça faisait 50 en sous-top, 49 avec Cob, Coré, 45. Tout ça, c'est en C11, en collante. Wok, pour cuisiner, chinois, en 2H, ça fait 43. Trek en F7, ça fait 42. R qui vient au bout de sauver. Dobok, 34. En K11 ou en 3K. Voilà, en termes d'appui, je pense pas qu'il y ait grand chose. Ah si, en 10 lettres, comme kidnappera tout à l'heure, là c'est sur S-A-A. Skateboard. Voilà, skateboard. Coup suivant, on s'approche de la fin a priori. On a joué déterré, c'était le seul Scrabble possible. Alors, en même temps, il n'y avait plus énormément de place hein, sur la grille. Sous-top, Ewe, donc déterré, pardon, faisait 60. Ewe faisait 22, donc il valait mieux pas rater le Scrabble, hein, sinon 40 points de retard par rapport au top. BE 21, maîtré et E ou ER 20 points sur le M de Flamina et pour former sauver ER. En termes d'appui, donc déter et puis tous les déterrés ERSZ, également retardé, décrété, détergé ER, réédité, retendre, dépêtré, déserté. Le coup d'après, on a joué ES.
On pouvait également jouer os pour 36, pour le même score, hein, où on met juste le s pour 30 points. En termes d'appui, droïde ou sordide qui ne passait pas malheureusement. Et puis sur une lettre d'appui, dédoré, dérodé, AIS, discorde, démordi, dédiron, déridon, et sordide au pluriel, détordi et distorde. Au coup suivant, il nous reste plus que 5 lettres, donc c'est vraiment la fin. On a joué dinde pour 25 points en collante, là c'était une place assez jolie. Et le dernier coup, war, H-O-I-R, un vieux terme pour désigner un héritier, et wari, la même chose mais pour l'héritage cette fois-ci. Ça faisait 14 points. Voilà, écoutez, c'est terminé. 25 minutes de décodage, c'est encore un petit peu longué, mais bon, écoutez, peut-être que c'est ce qu'il faut, hein, pour approfondir les choses et pas trop survoler. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis surtout, mais parlez de la chaîne à vos proches, à vos amis, autour de vous, vos collègues, etc. Et abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, tout ce qu'il faut, comme vous avez peut-être l'habitude ou pas d'entendre sur d'autres chaînes YouTube. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.